Et bonjour internautrice et internautateur, ici Gaëlden pour les jeux du Cygne. Et on retrouve cette découverte de Age of Sigmar Realms of Ruins. Cette fois-ci on est en multi, enfin on est de nouveau en multi avec notre ami Akatsuki. Non, je ne suis pas là. D'abord, tu n'es pas mon ami, ce que tu m'as dit, parce que j'étais un noob d'abord. Donc, on va tenter un petit... Non, attends, je vais prendre les Orooks. Hop, allez, je vais prendre les Orooks. Paf, comme ça, on va pas jouer à un jeu. Mais est-ce que... Alors, question. Ouais. Pour jouer les Orooks, oui. Est-ce que tu as une grande barbe blanche? Les... Non. J'ai une courte barbe qui est un peu poivre et sel, on va dire. Enfin... Elle commence à devenir blanche. Tu es Saruman dans sa jeunesse. Mon accent, les FH, j'entends pas du tout. Pas du tout le signe, je vois absolument pas de quoi tu parles. C'était quelqu'un d'autre. C'était pas le même Gaëlden. Voilà. Donc cette fois-ci, on va se faire une petite partie en 2v2. Donc je vais être avec mon ami Akatsuki. Et donc moi je vais jouer les Orooks et lui il va jouer les Antenuis. Et on va jouer contre deux IA en facile parce que nous on est quand même vraiment pas bon. Sur la carte expansion que je ne connais pas. Donc hop, on est parti. On dirait un bretzel mal fait. Hein. Un bretzel mal fait. Ah oui, j'ai même pas vu qu'il y avait l'aperçu. On dirait un peu un bretzel mal fait, non? Ouais. Tu sais, c'est pas c'est genre le pâtissier qui avait fumé qui avait trop bu. Ok. Bon, bah, on verra un peu ce que ça va donner. Hein. Par contre, les artworks sont très jolis. Absolument. Donc, et puis, il y a peu de ralentissement. Quand même, c'est fluide. Et c'est quand même pas rien de le dire. Ah, allez. Par contre, j'ai que deux unités de base. Moi aussi. Non, toi, t'as le choix entre trois unités. Ah oui, pardon, oui, d'accord. J'avais pas compris ce que tu voulais. Moi, je n'en ai que deux. Qu'est-ce que j'ai un tank. Hop. Ils n'ont pas de défenseur, les Antenuis. Pas au départ. Par contre, ils en ont un T2. Ouais, mais le T2, c'est dans longtemps, c'est dans 20 minutes. Hop. Attends. Tac. Ok, toi t'es là, moi je suis là. Les ressources sont-elles partagées? Je ne pense pas, à mon avis. Moi j'ai 247 Attends. Et 135. Ah bah non, donc ce n'est pas partagé, d'accord. Parce que ça, c'était un truc que tu pouvais activer dans... dans Dawn of War, tu pouvais activer le fait que les ressources étaient partagées et c'était très drôle. Alors, qu'est-ce qu'il a lui à charge comme ça, toutes les unités je m'en occupe de celui-là, j'arrive. Bah non, on va à droite. Bah... Ouh. Hop. Tac. Je suppose que tu y allais qu'avec ton héros tout seul. Ouais, mais je suis... Ah, c'est vrai que tu es le meilleur joueur du monde. Bah oui, ne l'oublie jamais, s'il te plaît. Capture réussie. Ah. Quel talent. Ils ont du talent, ces morts-vivants. Bon, ceci dit, je vais pas plus loin. Bah, on voit que l'IA est vraiment faible, ceci dit. Hein, parce que quand même, ils sont sur aucun des trois points principaux. On les repousse. Hop. Tac. Hop, donne-me des pierres de royaume. Ça sert à quoi d'attendre les 100%? Bah, ça permet que ce soit plus long à capturer derrière. Ouais, mais en fait, sinon tu l'as quand même. Ah oui, tu l'as quand même, mais... Ah, ça y est, je me fais attaquer. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Attends, j'arrive. Je viens dans leur dos. Il y a des méchants pas beaux. Attaquez-les. Oh, ils sont nombreux. Parlez-vous, nous aussi, on est nombreux. Et pour les bas. T'arrives par le centre aussi? Ouais, j'ai envoyé une unité normalement. Tac, tac, unité. Qu'est-ce que je veux? Je veux ça et je veux ça.
Hop, et je veux que tu les envoies par là. Ah, ça va déjà trop vite. Comme sur des roulettes. On voit que l'IA n'utilise pas beaucoup le repli. Elle est un peu aussi nulle que moi. Pourquoi tu dis ça? Mais quoi, parce que je n'utilise pas le repli non plus. Bonus d'armure, de façon. Ouais. Ah, mes tireurs vont encore à corps, je comprends pas. Bon, je me fais aussi attaquer à gauche. Je crois que je contrôle très très mal les unités. Hop, repli, c'est quoi? C'est R pour repli. Hop. Cassez-vous. Bon, par contre, c'est pareil, le fait que tu dois appuyer une fois par unité. Ouais, c'est assez chiant. Pour le repli, ça surprend. Il y a son, il y a le héros de Tinch. Ah non, putain, j'appuie sur R au lieu d'appuyer sur l'attaque. Putain. Si j'améliorais mon camp principal. Par contre, pareil, quand tu améliores ton bâtiment, il ne soigne pas tes unités. Ah putain. Cool. Et tu n'as pas de barre de progression. C'est très bizarre. Oh là 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 là, mais c'est pitoyable, bordel. C'est pas possible. Donc tu te fais, on se fait bastonner au centre. Or son boss. Ouais, en effet, ça. Pourquoi ça heal pas? Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis en amélioration. Ouais, quand t'es en amélioration, il ne heal pas. D'accord. Je viens de voir ça. Votre plan marche pas, chef. Le plan marche pas, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Un territoire crucial. Ah, ils sont en train de capturer. On a perdu les 3 points. Ils sont plus rusés que nous. Je me dirige vers le point de droite. Je vais. Moi, je vais à gauche. Je vais blinder à gauche. Mage R pour faire replier tout le monde d'un coup. D'accord. C'est quand tu les sélectionnes tous en bas, il est noté Mage R avec le coup qui augmente. Ah, c'est pas faux. Hop. Allez, on va reprendre les points. Par contre, c'est quoi la touche pour faire le mouvement d'assaut? C'est F. F? Oui, c'est totalement pas logique. D'accord. Mais c'est ainsi. Ah oui, et puis j'appuyais sur A, moi, tu sais, comme attaque, en fait. Les améliorations aussi. Hop, à prendre. Hop là. Ah, ça va mieux avec le mouvement d'assaut. Ouais, mais même avec le mouvement d'assaut, ça fait pas tout, hein. Ouais, non. Oula. Attends. Est-ce que tu vois ce que sont en train de faire mes unités? Pas du tout. Elles sont en train de repartir vers mon camp de base. Alors que je leur ai demandé d'aller attaquer le point. Ah mais merde, qu'est-ce qu'il faut au centre? Hein? D'accord. Ah, je crois que je viens de comprendre un truc sur les mouvements d'assaut. Ah. Ils se rassemblent. En fait, tu peux, si tu as sélectionné 8 unités, les 8 unités vont se mettre ensemble pour faire le mouvement d'assaut. Elles vont pas y aller en deux vagues, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. C'est une impression que je viens d'avoir, mais à confirmer. Les vermines piquent les meilleurs endroits. Non, mais là, il y a des horreurs. Mouvement d'assaut. Mouvement d'assaut. D'accord. Je note. Donc le mouvement d'assaut, c'est vraiment quand les mecs ils viennent te faire l'amour que tes mecs ils se mettent à le faire. Hein. Le mouvement d'assaut par contre. Bon, on est quand même. Toi aussi, toi t'arrives pas à ton point. Ah donc j'ai un deuxième héros là. Ouais, il y a deux héros quand t'es au niveau 2. Bon. Je t'ai mis mon deuxième héros avec toi. Non mais je vais essayer de régénérer moi, parce que je suis quand même vraiment dans le mal. D'accord. Moi je vais attaquer la base de Zench. Ah ok, t'es de ce côté là, très bien. Parce qu'il me semble que si tu détruis la base, t'as gagné. Enfin.
Oui, ce qui est relativement logique. Je sais pas s'il faut détruire l'arche ou s'il faut détruire... La fine cédrogène, vous... Alors... Tac. D'accord, ça c'est une AOE. Hop, je vais au centre. Ok, ça. Je vais aller au centre. C'est marrant de voir des Sigmarites aider des. Aider des oui. Chaotos. Faut pas non plus aller chercher trop dans le réalisme. Ah, et ça peut être Zenge qui les manipule, hein. C'est pas faux. Tu sais, Zen, c'est un petit comic. C'est un petit comic. Des meilleurs endroits. C'est un petit rigolo. Tout le territoire, il est à nous maintenant. Par contre, tu vois pas la vie du bâtiment principal ennemi. Ouais. Donc je sais pas à quel point je le détruis. Il est toujours à 100%. Malgré que je lui tire dessus depuis 5 minutes. Ah. Est-ce que par hasard il serait invulnérable ? Bah normalement non, tu peux les casser. Bon, là on est plutôt bien. Ok. J'ai fait mage R mais ça a pas marché. Bon, ouais. J'ai pas compris pourquoi je n'arrivais pas à détruire le bâtiment ennemi. Bon, barrez-vous. Ah, tu es d'accord. Là, tu es en train de te barrer. Ouais, je me suis fait repousser. Et on peut arrêter une retraite ou pas ? Non, je ne pense pas. Non, je viens d'essayer. Moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas réussi à détruire le bâtiment ennemi. Ah mais c'est des cavaliers. Merci pour le follow. Merci XLS Yunjin d'avoir follow à la chaîne du signe noir. Enfin les jeux du signe. Brume marécageuse, c'est quoi ça? Oh, on se barre vous deux. Mage R. Hop. Je pense que ça va être un jeu easy to play, hard to master. Bon, on va se replier aussi là. Ah, t'arrives par ici. Ouais. Je couvre ta retraite. On vous a capturé le bâtiment magique. Hop, c'est bien urbain. Bah écoute, il faut bien couvrir les orques. Effectivement, le mode facile, c'était assez facile. Comme t'as compris le truc, comme bien souvent. Bah, tu sais que si tu prends Dawn of War, hein, je rappelle hein, pour ceux qui auraient oublié que Dawn of War 1, les niveaux de difficulté étaient très mal faits. Comment parce ça qu'ils étaient pas égaux. Le mode facile était plus difficile que le mode normal. Bon. Ouais, c'était par rapport à comment ils avaient codé l'IA. Moi j'ai parce que des distances fait... hein, dans ce groupe. Okay. Parce que par exemple l'IA, en facile, elle lançait des attaques dès qu'elle le pouvait. Ouais. Donc elle te rushait. D'accord. Elle pouvait faire des rushs. Alors, en facile, faire des rushs, c'est pas forcément très noob friendly, quoi. Les nus prennent les bons endroits, chef. Ils prennent le pont au sud. Ah merde. Et j'envoie de la cavalerie pour tenter de le récupérer. J'y retourne. Non, mais j'ai. Ah, mais cassez pas ça, les gars. Allez sur le pont. J'y vais. Non, bah, je suis en train d'y aller. Okay. Don't worry, be happy. Hop, et j'ai cassé le bâtiment au centre. Que je récupère du coup.
Les tireurs au corps à corps, c'est toujours une très bonne idée. Ouais. Bravo, Aka. Le Aka qui a du talent. Par contre, j'aimerais bien comprendre la répartition des attaques au tir. On va perdre le souffle de mort. On les bat partout. Ils prennent le conduit du nord. Les boys ont pris les meilleurs endroits. Ouais, c'est pas grave. On chope toute la magie, chef. Bon, je vais retenter de réattaquer la base de Zenj pour tenter de détruire le bâtiment principal. Je vais essayer de comprendre pourquoi il a pas cassé. Qu'est-ce que tu fous, toi? Oh putain. Rien, comme d'habitude. Non, non, mais... Et vous, en toute logique, vous foutez que alors... la... Hop, hop, hop. Ouais, on peut pas attaquer le portail. Cassez-vous. Ouais, c'est marrant, je lui fais pas de dégâts à son bâtiment principal. Je peux l'attaquer, mais je fais pas de dégâts. Ouais. C'est marrant. Bah, c'est peut-être... Voilà, c'est... ça doit pas être prévu que ce soit possible, quoi. Bah, moi j'ai vu en bêta... comme je t'avais dit, hein, j'avais regardé une vidéo de Maf qui avait fait la bêta. Ouais. Qui avait à peu près les mêmes... qui avait dit à peu près les mêmes choses que toi sur l'IA. Et il se détruisait justement les points d'inflexion, là. Bah, ils l'ont peut-être rendu impossible. Et voilà, encore une victoire de canard. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais c'est bizarre. Mais pourquoi tu pourrais l'attaquer? Je sais pas. Si c'est pour pas... Je peux pas te dire. Ah, on gagne du cosmétique. Oui. Ah, j'ai du cosmétique. Ça y est. Tu as du mascara? Ouais, trop bien. Je pourrais être encore plus... Alors, qui c'est qui est la plus gros? Ratio de dégâts, c'est clairement toi qui gagne. Ça, je ne sais pas, j'ai pas regardé. 1,85 pour toi, 2,53 pour moi. J'ai utilisé plus de commandements. J'ai utilisé moyenne de pierre de royaume non dépensée. Oui, ben ça, c'est juste qu'il faut... Il faut avoir 3 cerveaux. Et les pierres de royaume, c'est la ressource orange. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la ressource avancée, on va dire. Oh, unité efficacité... Ah ouais, non, mais en facile, c'est vraiment facile. Ouais, c'était coup. Vraiment facile, c'est clair. Horde de construction. On voit tout ce que t'as... Tout ce que chacun a invoqué. Ouais, ça, j'ai vu. Ça, c'est pas mal. Revenu en pierre de royaume. C'est pas mal de voir aussi ce que l'action a... Ce que l'ordi a fait, parce que... tu peux voir pourquoi tu t'es fait niquer, en fait. Comment est-ce que tu... Ah oui, action du joueur. Là, il y a Acolyte Kairitik, ouais. Là. Et Horror de Nzenj et tout, c'est le méchant, ça. Ouais. Donc tu peux voir un peu ce qu'il a fait. Sauf et que... voir pourquoi tu t'es fait tuer. Sauf que tu vois pas l'autre... Si, tu peux me sélectionner, regarde. Non, mais pareil, je peux pas voir la deuxième IA. Bah, c'est les deux en même temps. Acolyte, c'est les... Et Horreur de Tinch, c'est Tinch. Hein. D'accord. Donc là, c'est un petit bug, à mon avis. Ouais, peut-être. Bon, après, on est à quoi? J plus 2 de la release? J plus 1? Ouais, en fait, je peux pas sélectionner celui du milieu. Bah, c'est pas celui du bas? Non, j'arrive pas à sélectionner celui du milieu, moi. Retourne sur Gaelden et va sur un autre. Ouais, non, mais J'ai essayé plusieurs fois avec. Bon, pas très très grave. Hein. Ouais, bon, on est à J+1 ou J+2 par rapport à la. Oui, à la oui, ça c'est un petit bug, on va dire. C'est un bug qui va leur être rapporté, ça. En brochure. Wow, dis donc, j'ai une unité qui a été drôlement efficace. Hein. Efficacité 12,31. Mais c'est quoi, à ton avis, l'efficacité? C'est le coût. Et c'est par rapport au coût qu'elle ça, a coûté et au tout. Coût qu'elle a fait ouais, en ouais, sans doute. Sans doute. Alors, sauf que non, parce que c'est tous les types de troupes. Ouais, mais si, ça doit être ça, je pense. Et enfin bon, sauf qu'en toute logique, bah, ça va être les tireurs qui en font le plus, parce que c'est ceux qui se font le moins attaquer, quoi.
Pas forcément. Ouais, enfin bon. Voilà, voilà, pour cette deuxième partie en multijoueur avec l'ami Akatsuki. J'insiste. Ouais, si on en refait une, pas forcément aujourd'hui, hein, comme tu veux. Ouais. Il faudrait peut-être se mettre liant en normal. Oui, oui, non, c'est sûr. Ouais, ce que je vais faire, c'est que là, je vais présenter le mode conquête. Okay. Et puis on verra peut-être pour en refaire d'autres à d'autres moments. Quand on aura un Ouais, peu à mieux, l'occasion. quand on aura un peu mieux compris comment ça fonctionne aussi. Ouais, parce que là, bon, moi, je vais me taper. J'ai pas trop le temps ce week-end. Déjà, je devais faire un truc, mais Bah ouais, je m'ai arrêté ce que je faisais pour venir ah là casser là, des culs. c'est triste. Et je ferai des vidéos de mon côté aussi, certainement. Très bien. Eh ben merci à toi pour ce petit passage. On De va rester sur rien, cet des épisode-là, hein. bisous. Il a duré qu'une vingtaine de minutes, donc on va essayer de faire une bataille de conquête. Des bisous au chat aussi. Au chat. Oui, le chat. Ah. C'est le chat. Merci D'ailleurs, à vous. Oui. j'ai vu qu'il était jouable à la manette. Je sais pas si tu Oui, l'avais dit. je l'ai dit. Ok. Mais apparemment, d'après ce qu'ils te disent, c'est jouable à la manette, mais il faut quand même utiliser le clavier. Ah, c'est ballot. Voilà. C'est jouable à la manette, quoi. Après, ce genre de jeu, c'est pas fait pour. Mais bon. Bien, donc on va Allez. tester. À Petit bisou. plus, Kat. Merci à toi. On va tester le mode Salut. conquête. Voilà, mode conquête où on va jouer les Orooks. Ça tombe bien, je viens de les jouer, donc ça va me permettre. Ouais, sauf que du coup. Ah non, allez, je vais revenir en arrière. Allez. Parce que du coup, les Orooks, vous les avez vus un petit peu. Tac. Je vous montre. On va regarder les en tenue. Hop. Conquête. Nouvelle conquête. Confirmé. Hop. On va rester en guerrier. Et on va prendre les en tenue. Hop. Et on avait dit. Non, je sais plus. Je sais plus. Bon. Pas grave. Hop. Donc, on va voir ce que ça va donner. 3 vies avec un bonus de score de 50%. Tac. Allez. Donc, le grand méchant, ce sera un Tsench. Pardon, excusez-moi. Et donc, de toute façon, là, on n'a pas le choix sur le premier combat. Il y a moins de trésors que tout à l'heure. La carte est moins bien. Donc, on va combattre, pour commencer, les Éternels de l'Orage. Et on va voir un peu ce que ça donne. Oui, je veux vraiment débuter cette bataille. Lancez-vous dans une conquête sans pitié de Gour, le royaume des bêtes. Livrez des batailles soumises à des modificateurs uniques, terrasser le suzerain local et remporter la victoire. À l'assaut! Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un héros corps à corps et un assaut. Allez, tchac, tchac, tac, on se divise. Hop. Ça a l'air d'être à peu près le même style. Hop. Et là non plus, il n'y a pas de tank. Ça a l'air d'être à peu près le même style que le mode multi. Hop. Avec les 3 points, oui, ça ressemble beaucoup. Tac. Nous sommes emparés d'un conduit arcanique. Tac, tac, tac. Hop. Donc, les conduits arcaniques. Hop. Pour l'instant, je ne peux rien acheter. J'ai pas les sous. Leur conduit arcanique nous revient. Tac, hop. On va prendre les points le plus rapidement possible. Nous capturons. La voix est pas la même. Ouh! Charge! Charge contre charge. Lance une bague qui ralentit l'unité terrestre. J'ai une fureur spectrale. Non. Oh, j'en prends plein la gueule. J'en prends plein la gueule. Donc.
Hop. Donc. Ah merde. Hop, je vais faire charger. Hop. Qu'est-ce que j'ai là? Hop, oui, là, normal, ils se regardent comme des cons. Comme des cons, ils se regardent. Alors là, je peux. Non. Unité, tac, tac. Donc, j'ai régène. Hop, toi tu vas aller régène là-bas. Tac, 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 tac. Hop, charge. Tac. C'est le cimetière de Rosin, ouais, tu vois, c'est ça. Exactement. Ah merde! Je suis en train de perdre. Hop. Bon. Alors, j'ai perdu des points. Tac. Je suis en train de perdre. Il faut être partout à la fois. Mais non, mais pourquoi il se barre? Ah, c'est parce que lui, c'est cassé. Hop. Toi, tu vas là. Merde, je suis en train de perdre des trous. Lui aussi. Arrête de glander, ouais, j'y pense, j'y pense. Alors, là, bah oui, ils se font attaquer, normal. Et ils bougent pas, normal. On se fait tirer dessus comme des pleutres. C'est tellement stupide. Pierre de royaume, paf. J'ai besoin de pierre de royaume en plus. Est-ce que je pourrais pas avoir un deuxième? Non, il faut 700 de commandement, je ne les ai pas. Tac. Tac, tac. Ah, là j'ai vu un gros vilain. Hop. Charger. Ah, raté. J'ai complètement raté ma charge. C'est un échec complet. Eh ben non, je crains qu'il n'y ait pas d'option pour ça, en fait. Que ce soit juste, juste mal fichu. C'est... Les commentaires que j'ai pu lire, c'était un peu ça, quoi. Donc là, je gagne des pierres de royaume. Formidable. Là, je vois un gros vilain qui est en train d'arriver. Ouh, même deux gros vilains. Hop. Chargé. Bim. Étourdi. Alors, là. Hop. Tac. Pendant ce temps. Tac. Elle est là. Hop. Vous êtes de nouveau régène. Tac. Ici. Oui, pendant ce temps, il heal. Et moi, il faudrait peut-être que j'améliore ça. Hop, que je passe en T2. Merde. Pas de plus. Et merde. Bon, là, je vais récupérer le deuxième.
Putain, mon héros, il prend cher. Allez, termine-le. Oh, bordel. Bon, j'ai tout perdu. Tout va bien. Hop. Nos guerriers prennent du terrain. Hop. L'ennemi perd au contrôle. Heureusement que ça régène bien. Alors, j'ai du T2. Je vais prendre du temps. Un héros, un tank. Et paf. Essayer de faire en sorte de choper celui-ci. Hop, hop, hop. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Allez, c'est bien, les gars. C'est un petit bac. L'ennemi s'empare de notre conduit arcanique. Hop. Notre ennemi gagne du terrain. Ah merde. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, shit. On nous a arraché un conduit arcanique. Celui-là, je le récupère. Nous déjouons l'ennemi. Allez faire le ménage là. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau, lui? L'heure spectrale, canon spongé. Soigne et renforce les unités ennemies à portée. D'accord. Donc, c'est le héros T2, il fait ça. Capture notre conduit arcanique. Hop. Là, j'ai du monde. Donc. On va aller en soutien. Toi, tu restes là pour capturer ça. Ça, c'est gagné. Ça sert à rien de gâcher des points là-dessus. Arrêtez-vous. Notre pouvoir grandit. Ok. Force prenne du terrain. Tac, toi tu vas aller là. Notre domination se renforce. Sont une menace. Oui, forcément. Hop. Allez, on repart par là. C'est chaud. Je pensais que ça irait plus vite les points. Mario, Mario, avant de nous faire charger les gars. Ses chances contre tac hop. Ici on va l'améliorer en pierre de royaume là tac. Même chose, je vais le boost. Ah non, j'ai pas assez de points. Tac. Ah, repli, 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 repli. Là, il a du T2 lui aussi. J'ai pas de quoi. Hop. J'ai pas de quoi me battre là-dessus. Tac. Si on faisait en sorte de lui défoncer au passage, ça m'arrangerait. Être partout quoi.
meurs. Ensuite, voilà. Tac. Bon, l'avantage quand même de mettre des bâtiments, c'est que ça protège. Hein. Ouais, Oh putain. Faut vraiment être partout, quoi. C'est vraiment chaud. Faire un petit peu de heal. Je pourrais peut-être réinvoquer du monde. Non, tu peux pas me... Non. Et sort ce spectre. Hop. Ouais, non, c'est cool en soi, mais ensuite, ça c'est mon problème à moi, c'est que je suis toujours un peu, j'ai toujours un peu du mal en fait. Je suis lent en fait. J'ai pas des réflexes. J'arrive pas à être partout quoi. En tour par tour, je crois que je me défends. Mais hop, 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 hop. Casse-toi, toi. Et ils font quoi? Ils sont qu'est de l'eau. Les améliorations. Tac. Allez, on va passer en T3. Tac. Bon, ici j'ai réussi à le bloquer. Et on est reparti dans l'autre sens. Hop. Nous prenons du territoire. Non, je vais rester par là. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une seule troupe. Bien que ça suffit. Et ça suffit. En fait, ce qu'il faut, c'est s'assurer la domination du centre, quoi. Nous capturons. Ni plus ni moins. L'ennemi perd au contrôle. Hop, tiens, on va faire une petite régène. Les morts ne tombent pas. Hop. T'as quelqu'un qui est en train d'aller par là-bas? C'est bizarre. Ouais, il commence sans doute à avoir du mal à invoquer. Mais c'est bizarre parce que tu vois, j'ai beau voir les 3 points, ça diminue super lentement, quoi. Bon, j'ai personne. Ah oui, ça fait une... Hop, je vais aller prendre ça au passage. Hop. Les avancées ennemies sont une menace. Ouh, charge. Aïe, salaud, je me suis fait contrecharger. Comment ça se passe là? Toi, casse-toi. Ah, oh, saligo.
Saligo. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir perdu un héros. Non, il est toujours là. Ah tiens, j'ai un troisième héros. Mais... Pardon, pas ça. Hop, attends, c'était Faucheur. Et les noms... Ah non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, un petit île. Un petit île. Toi, tu vas te replier. Ouais, j'ai quand même un peu du mal là. Là, j'ai pas de quoi. Là. On prend ça. Les 215. Ah merde. Repli. Hop. Ah bah, il est là, mon troisième héros. Ancré. Je pense que ça veut dire que ancré. Mangoul. Hop. Hop. Et c'est vrai que la minimap est quand même pas immense. Et en fait, si je fais CTRL 1, le problème c'est que ça. Il y a les contrôles d'OBS. Ils sont par-dessus. Et du coup, c'est pas une très très bonne idée. Mais si, il y a bien entendu les contrôles 1. Ouais, c'est... Oula, putain, là, il est fait. Seigneur Brunante. Il défonce la tronche à l'autre. La vache. Il prend rien, c'est ouf. Lance une vague qui ralentit, fureur spectrale. Oui. En plus, pourtant, lui, c'est mon héros niveau 1, quoi. Ouh, là, par contre, maintenant, il prend cher. Ah! Ah oui, mais là, c'est bon, j'ai gagné. Ouf! Allez, 20 minutes quand même, hein. Compliqué. Ça va vite, il faut être partout. Mais j'avoue que c'est fun. Ceci dit, tu t'ennuies pas. Hein. Putain. La coup de sœur, c'est clair. Conduit arcanique perdu. Conduit arcanique capturé. Ratio de dégâts, oui, j'en ai un peu plus que celui. Hey, coucou Canton. Hey, la team 119 minutes. C'est Ardarin, j'imagine. En général, c'est lui le samedi après-midi. Est-ce que c'est Ardarin ou est-ce que c'est Slan? Ou un autre, peut-être. Merci pour le raid. C'est Ardal samedi, ouais. Sur CS2, comme toujours. Je crois que déjà le week-end dernier, il m'avait fait la même chose. Et je crois même que le week-end d'avant, il m'avait fait la même chose aussi. Merci à toi, Ardarin, pour le raid. Moi, ça va être un. Ça va sans doute être un raid sur raid parce que je pense que je vais m'arrêter. Ça fait quand même déjà 2h30 que je suis en live. J'aurai besoin de faire une petite pause. Ouais. Donc, ouais, 2h30 de live, mine de rien, ça commence à... donc, voilà pour ce mode conquête sur Age of Sigmar. Le combat était sympathique, franchement. C'est un peu ça. Le combat était fort sympathique. Je dois bien avouer que c'est... Ouais, c'était... J'ai préféré ce que j'ai pu faire sur la campagne pour l'instant. Merci pour la VOD, oui. Merci à vous qui avez suivi sur YouTube donc cette deuxième partie en multi avec le petit A4 et cette partie en conquête avec moi en solo.
Et merci à tous ceux qui ont suivi le live. Voilà, merci. Bienvenue à toi sur le live Knokambile. Mais donc, j'étais quand même en gros sur le point de m'arrêter. Donc, je suis un peu désolé de vous laisser tomber comme ça sur ce jeu-là. Voilà. Donc, on dit au revoir à YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. On aime toujours ça. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pensez également à... Je remets un petit coup, allez, parce que j'aime bien. Notre partenaire Games Planet et le code promo qui vous permettra de bénéficier d'un tarif très avantageux sur Realms of Ruin. C'est impossible à prononcer ce mot. Donc oui, j'ai un accent de merde là-dessus. Il y a des mots sur lesquels je m'en sors mieux, Lucine, mais c'est vrai que Realms of Ruin, franchement, c'est impossible à prononcer sans patate dans la bouche. Ouais, Spirit of Noob, je suis désolé, merci pour ton premier message sur la chaîne. Ce sera un au revoir pour l'instant, mais je vais essayer de vous renvoyer ailleurs. Allez, je coupe pour YouTube et puis je vais lancer un raid pour Twitch. Ciao, ciao!